tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Merci Seigneur pour tes bienfaits, merci pour ta grâce, merci pour ta protection. Merci Seigneur pour ce privilège que tu donnes encore à chacun d'entre nous d'être connectés ce matin. Nous prions que tu remplisses encore ces lieux dans le nom de Jésus. Je prie que tu touches encore chacun d'entre nous personnellement là où nous nous trouvons au nom de Jésus. Seigneur, prends le contrôle. Ta parole déclare que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Seigneur, nous te cherchons encore davantage encore aujourd'hui. Que tu puisses te révéler personnellement à chacun d'entre nous encore au nom de Jésus. Que tu parles encore à chacun d'entre nous. Parce que dans ta présence, il y a la vie. Quand tu parles, la chose existe. Merci Seigneur pour ta présence dans la vie de chacun d'entre nous. Remplis ce lieu, Père, nous t'invitons. Prends le contrôle. Amen. Je vais t'inviter à te sentir libre, à fermer la porte, fermer la fenêtre et à danser pour le Seigneur, pour tout ce qu'il a fait pour toi. Amen. Pour tout ce qu'il est pour toi. Amen. Je n'ai plus personne qui puisse comparer à toi.
Oh,
concentrer, Seigneur, sur ta voix, sur ce que toi tu dis, Seigneur, et pas sur ce qui se dit autour de nous, Seigneur. Nous être concentrés, Seigneur, sur toi. Que tu prennes encore le contrôle de tout chose dans le nom de Jésus. Sature encore l'atmosphère dans le nom de Jésus. Donne-nous de nous rapprocher encore de toi, de ta présence dans le nom de Jésus. Seigneur, nous t'adorons.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre service du dimanche. Mon nom c'est Pasteur Denis. Je veux vraiment vous bénir aujourd'hui avec la parole. C'est pas moi, c'est la parole qui va vous bénir cette journée. On a commencé 2 semaines passées sur le livre des Actes. J'ai un message intéressant aujourd'hui. J'ai intitulé mon message « Les bébés sont puissants ». Alléluia. Alors allez avec moi à Matthieu 18, 1 à 5 et on va commencer par la prière. Alors, Seigneur, je demande que tu nous montres, Seigneur, ta parole dans notre cœur aujourd'hui, Seigneur, que tu nous montres des choses, alléluia, que tu nous bénisses par ta parole. Ta parole est vraiment la chose la plus puissante de tout ce qu'on connaît. Alléluia. Alors, bénis, Seigneur, ta parole à notre cœur. Au nom de Jésus, amen et amen. Alors, allez avec moi à Matthieu 18. 1 à 5, après ça, on va faire un petit tour dans le livre des Actes. Alors, Matthieu 18, 1 à 5 nous dit, « À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Jésus appela un enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité. » Si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand, dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille en mon nom un petit-enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Hallelujah! Voyez, les bébés, là, c'est beau. Ils sont très beaux. Puis, une des choses qu'on peut voir des enfants, c'est qu'ils n'ont pas d'agenda. Il y a une innocence pure et totale à propos d'eux. Il y a une humilité simple, mais profonde à leur sujet, simplement parce qu'ils sont à leur premier stade de développement. Et ma femme et moi, on est bénis, vraiment là, parce qu'on a 2 petites filles, une d'un an et demi, puis l'autre, elle a presque 3 ans. On les garde à chaque jour. Alléluia. Alors, on les voit comment qu'ils sont, la simplicité, l'humilité, et on voit que leur connaissance de quoi que ce soit commence à peine, si c'est le cas. Ils sont juste dans le premier stade de développement. Ils sont entièrement dépendants pour tout. Leur petite vie se compose de 2 choses simples, très simples, du lait et un changement de couche. Ils sont sur la ligne de départ de leur processus de vie. Bien sûr, nous savons que toutes les couches finissent par tomber et que le lait se transforme en viande. Nous avons tous passé par là. Je veux parler aujourd'hui de l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ était autrefois aussi comme ça. D'un bébé. Seulement, c'était dans le sens spirituel. Les premiers 120 croyants dans la chambre haute avaient été récemment sauvés, bien qu'ils avaient suivi Jésus pendant environ 3 ans. Et maintenant, sans que Jésus soit là physiquement, les choses étaient sur le point de devenir très intéressantes. Parce que maintenant, ils dirigeaient le travail eux-mêmes sur la terre. Ils guérissaient et faisaient des miracles. Ils étaient les enseignants et les prédicateurs. La Bible a dit que Jésus s'éleva et il partait pour aller à son Père, à la droite du Père.
Mais tout ce que les autres ils faisaient maintenant était par le Saint-Esprit qui était en eux, comme qu'ils croyaient en Jésus et tout ce que Jésus leur avait enseigné. Les autres, là, ils étaient seuls, mais ils ne l'étaient pas. OK? Il n'y avait pas Jésus à côté d'eux comme qu'il l'avait auparavant. Maintenant, il avait le Saint-Esprit en dedans d'eux. Et c'est là où je vais continuer à partir aujourd'hui. Et comprendre comment un bébé se transforme tout au long de sa vie en adulte mûr nous aide à comprendre notre processus vers la maturité en Christ. Il faut vraiment comprendre comment un enfant grandit, les processus. Puis on peut voir l'Église la même chose, comme nous, comme croyants. Alléluia. Et tout cela a à faire avec la croyance et l'obéissance à la parole de Dieu. Ça va être toujours avec ça comme ça. La croyance, il faut croire en Jésus et il faut croire en sa parole. Vous voyez, les bébés croient et dépendent. Ils obéissent à papa et à maman. Et c'est essentiel pour nous. C'est notre chemin clair vers la maturité appropriée en Christ. Bien sûr, il y a de la rébellion en cours de route, c'est sûr. On est tous en transformation ici, là. Mais parce que Dieu est un bon Dieu, il ne nous laissera pas s'éloigner trop. Et oui, nous reviendrons à la raison, au raisonnement. Hey, qu'est-ce que je fais là? Il faut que je retourne où j'étais avant. À cause de ma rébellion, je vois que les choses ne marchent pas. Alors, il faut que je retourne. Puis le Saint-Esprit, il nous convainc en dedans. On voit ça souvent dans les adolescents. Les adolescents le font tout le temps. Je me rappelle quand j'avais devenu 16, 17, 18 ans. Je commençais, je pense que je connaissais plus que mon père. Puis lui, il est 30 ans plus vieux que moi. On était à travers de ça. On pense qu'à un certain temps, qu'on est plus, on est plus intelligent, on a plus de raisonnement ou de sagesse que notre père puis notre mère. Mais ça, c'est pas le cas. C'est l'inverse. Si vous êtes jeune encore, vous allez voir que comme vous allez devenir parent, père et mère, vous allez voir que quand vous étiez des adolescents que vous ne connaissiez pas trop. Si nous regardons le baptême de feu dans le Saint-Esprit et ce qui a suivi après le jour inaugural de l'Église, nous pouvons voir des choses puissantes émerger dès le premier jour. Nous verrons qu'à mesure qu'une Église travaille ensemble, elle mûrisse ensemble. Ce qui a été fait et vu au début a été fait dans l'étape des bébés. Après 2000 ans, nous devrons avoir une maturité. Si nous pensons aujourd'hui que ce que Pierre, Jean, Jacques, ainsi que Paul et Philippe et les autres ont fait était super génial, pensez encore. Écoutez, le seul Nouveau Testament qu'ils avaient était ce que Jésus leur avait enseigné. Je ne minimise pas cela d'aucune façon ou de forme. Okay? Ils ont eu leur enseignement de première main et rien n'est vraiment mieux que ça. Mais il y avait beaucoup plus à venir de l'Esprit pour l'Église. Il faut comprendre ça. Avoir le temps avec Jésus, apprendre avec lui, ça c'était de l'or. Mais Jésus était juste là pour 3 ans et demi. Il ne pouvait pas leur enseigner toutes les choses. Il enseignait beaucoup. Alléluia. Et c'est ça qu'ils ont gardé. Puis après ça, ils ont eu de la révélation de l'Esprit, ce qui concerne toutes sortes de choses, de la parole. Mais avec Jésus, ils se sont mouillés les pieds. Mais il avait une profondeur illimitée ou une connaissance et une expérience spirituel qu'il n'avait pas encore été révélé à eux. Et donc, je veux regarder à quelques éléments clés au début qui se sont développés en chemin et qui ont fait d'eux un ennemi redoutable. Alléluia! Parce que quand ils ont commencé sans Jésus, mais avec Jésus en dedans d'eux par le Saint-Esprit, l'ennemi a vu que c'était vraiment une église redoutable. Alléluia. Alors, regardez avec moi à Actes
chapitre 1, verset 12 jusqu'à 14. Trois versets. C'est marqué, « Alors ils retournèrent à Jérusalem. » Ça, c'est après que Jésus a monté dans le ciel. « De la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tout persévérait, verset 14, d'un accord commun dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Allez avec moi à Actes, chapitre 2, 1 à 4. Quand le jour de Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous, les 120, tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors maintenant, ils étaient remplis. Ils étaient tout ensemble dans un même endroit. Ils étaient en un accord commun dans la prière. Alors, maintenant, allez à Actes, chapitre 6, 1 à 4. À cette époque-là, que le nombre de disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent, « Il ne convient pas que nous délaissons la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'esprit et de sagesse. » Alors, vous voyez ici que c'est très important d'être rempli de l'esprit et aussi de la sagesse. Puis c'est marqué, ça continue, il dit, « Et nous les chargerons de ce travail. » Alors, ça prend même être rempli d'esprit et de sagesse pour faire des œuvres simples avec les veuves, avec tout le monde qui était là dans l'église parce qu'ils se multipliaient. Alors, il y avait un gros groupe. Il fallait avoir des hommes remplis de l'esprit, pleins de sagesse pour pouvoir aider aux autres. Alléluia. Puis il dit, quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Alors, on voit ici comment important c'est d'être rempli au commencement. Parce que avec le premier remplissement de Saint-Esprit avec les langues en feu, alléluia, on voit des affaires qui sont arrivées si on continue de lire dans le chapitre 1. Pierre, son premier sermon, rempli de sagesse, alléluia, prêchait un message qui était si puissant. Et puis 3000 personnes sont ajoutées à l'Église. Hey, on parle du premier sermon, il n'a jamais prêché avant. 3000 personnes, alléluia! Ça serait quelque chose que moi, imagine-toi comme prêcheur, un message, 3000 personnes, on aimerait tous faire ça. Mais ça, c'est avec le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit en nous, être rempli, alléluia! Alors, avant d'examiner à quelques-unes des choses les plus puissantes de l'univers, je veux vous rappeler comment le monde fonctionne lorsqu'il s'agit des avancées terrestres de toutes sortes. Vous voyez, le monde s'évolue dans toutes sortes de choses. Alléluia! Alléluia! Tant de choses sont venues à la surface au fil du temps et ne durent que peu de temps. Je vais vous expliquer. Les styles du vêtement. Là, maintenant, on vit dans un monde que il y a un style de vêtement qui arrive,
puis il reste pour un petit bout de temps. Après ça, un nouveau style arrive. Un nouveau style arrive. Ça change toujours. Puis c'est la même chose avec la technologie. Puis les voitures, les jouets, les aliments même. Les affaires qui n'étaient pas développées dans les aliments quand j'étais jeune. Maintenant, il y a toutes sortes de choses. Alors, les choses, ils s'évoluent. On subit toutes sortes de changements. Puis si les choses vont plaire aux consommateurs du monde, il doit y avoir un changement révolutionnaire. Parce que le monde n'aime pas ça, après un peu de temps, la même chose. La même chose. C'est toujours quelque chose de plate. Maintenant, je m'en vais avec ça. Je m'en vais en quelque part avec ça. Il y a aussi des grands changements politiques et philosophie. Nous vivons aujourd'hui dans un monde très différent de celui d'il y a 50 ans passés. Il faut changer avec le temps, ils nous disent. Ah, c'est ancien ça, on ne regarde plus à ça ou on ne fait plus ça. Ça, c'est de la vieille école. Ils disent, c'est ça aujourd'hui qui fait tourner le monde. La pensée mondaine, la pensée séculaire pense comme ça. Le nouveau, souvent, rend des personnes heureuses. On aime ce qui est nouveau, ce qui est sur le bord révolutionnaire. Et comme tout le reste, il y en a aussi qui sont tristes, ils sont déçus parce qu'ils trouvent des affaires trop compliquées, trop nouveaux. Puis, ça ne va pas avec eux. Certaines personnes aiment les affaires de la vieille école. Et d'autres, non, ils n'aiment pas. Elles veulent la dernière et la meilleure chose disponible. Maintenant, il n'y a rien de mal de toute façon avec la plupart des choses, en particulier avec les choses matérielles. Il n'y a rien de mal avec ça. C'est l'avancement. Alors, les produits s'améliorent avec le temps et certains l'aiment, d'autres non. Maintenant, il y a un point avec tout cela. Et c'est ceci. Toutes les choses n'ont pas besoin de changer et nous devons être capables de comprendre cela dans le corps de Christ. Vous voyez, le péché et la maladie ne changent pas. Le diable ne change pas. Même ces vieux trucs qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est toujours la même chose. OK? Il est menteur, il emporte la peur, la crainte et toutes sortes de choses comme ça. Et aussi, Dieu ne change pas. Ce qui a fait l'Église du nouveau-né, du bébé, grande et puissante, il y a 2000 ans, est le même qui rendra l'Église encore plus grande et puissante aujourd'hui. Alors, vous voyez, il y a des choses en ce monde-ci qui n'ont pas besoin de changer. Puis je parle des choses spirituelles. Oui, c'est sûr qu'on peut faire nos services différents avec la technologie, c'est sûr. Mais il faut garder les choses de la vieille école, qui est la prière, qui est la parole de Dieu. Prendre du temps avec Dieu personnellement. Être rempli du Saint-Esprit. Avoir une pensée qu'il faut changer le monde qui a été menti et corrompu par le diable. Ça, c'est des choses qui ne vont jamais changer. Un exemple aujourd'hui de ça, c'est les gouvernements du monde d'aujourd'hui reflètent la condition spirituelle de l'Église. Vous voyez, l'Église mondiale est la seule chose qui peut apporter de l'ordre global dans ce monde. Si nous ne le faisons pas, alors le diable va le faire. OK, il le fera. Et parce que l'Église a décidé de changer avec le temps, nous sommes dans la situation que nous sommes. Vraiment. Mais nous pouvons changer cela en nous changeant nous-mêmes. C'est l'heure de la vieille école. C'est le dépoussiérage de nos Bibles. Il est temps de coudre à nouveau des genouillères sur nos pantalons. J'ai entendu souvent les anciens prédicateurs qui étaient vraiment remplis du Saint-Esprit. Il y avait des trous dans leurs pantalons sur leurs genoux à cause qu'ils prenaient beaucoup de temps dans la prière. Alors, c'est le temps de coudre à nouveau des genouillères sur nos pantalons. C'est le temps de se débarrasser des choses qui nous étouffent spirituellement et de mettre à nouveau le Christ. Et avec toute sa vieille école. Oui, la vieille école, c'est la vraie école. Hallelujah. Voici quelque chose qui a fait l'Église inaugurale puissante.
voyez, les bébés, eux autres, ils étaient très puissants. Alléluia. Car en chapitre 2, c'est marqué, et qu'ils étaient tous remplis. Alléluia, tous remplis. Et on a vu qu'est-ce qui est arrivé. Si vous lisez le chapitre 2, je l'ai dit auparavant, que Pierre a prêché un message qui était puissant. Et puis 3000 personnes ont été convaincues par le Saint-Esprit. Ils ont donné leur cœur à Jésus. Alléluia. Et on vit que même avec les apôtres et les disciples, que Jésus était encore vivant. Alors, il faut être rempli du Saint-Esprit chaque jour. Savez-vous que chaque jour vous coulez? Soit que vous êtes dans la chair ou soit que vous faisiez du ministère. Peu importe, les deux vont vous faire couler de qu'est-ce que vous du Saint-Esprit que vous avez. Alors, chaque jour, il faut être rempli. Alors, disez à chaque jour, priez chaque jour et dis, Seigneur, remplis-moi de ton esprit pour faire ton œuvre aujourd'hui. C'est ça qui va faire la différence. Puis, on voit ça dans le chapitre 2 et en beaucoup d'autres chapitres aussi. Une autre chose, c'est qu'ils ont passé du temps dans la parole de Dieu. Puis eux autres, il y avait seulement l'Ancien Testament et ce que Jésus avait. Puis on voit ça dans le chapitre 6. Il ne faut pas être trop éparpillé dans nos pensées, qu'il ne faut pas prendre le temps et du focus avec Jésus dans la parole et de méditer. Si vous regardez dans Psaume 119, ça c'est un psaume de 176 versets. Ça parle tout à propos de la parole de Dieu, les commandements et de la méditation de sa parole dans nous. Alléluia. La troisième chose, ils ont passé du temps en prière. Jésus est vraiment un bon exemple de ça. Et on voit aussi ses disciples, les 120 dans le chapitre 2, ils étaient en prière. Le chapitre 1, ils étaient en prière. Tout ce qu'on voit, ce qui concerne la puissance, c'est à cause que les autres étaient dépendants sur Dieu. Et la prière démontre ça. Une personne qui ne prie pas, et moi je suis convaincu de ça, là, okay? Le Saint-Esprit me convainc maintenant, comme si on prie pas assez, on prend pas du temps normal pour prier, ça veut dire qu'on n'est pas dépendant sur Dieu, ça veut dire qu'on peut faire les choses. Mais si on prend le temps chaque jour, Seigneur, je te donne ma journée, aide-moi à pouvoir faire les choses, peu importe à mon ouvrage, dans le ministère, peu importe, prie au Seigneur qui te donne une opportunité. Tu as besoin de son aide. Alléluia. Et quand on prie, ça démontre une humilité en nous. Alléluia. Il y avait aussi une unité d'esprit. On voit ça dans chapitre 2. Il a été dit à maintes reprises qu'il y a eu des divisions d'église sur la couleur du tapis. Imagine-toi, un manque d'unité dans une église où que quand c'est le temps de mettre un nouveau tapis dans l'église, qu'il y a une division à cause que la couleur n'est pas la couleur qu'ils veulent. J'ai entendu ça, pas juste une fois. Alors, c'est vraiment la chair, ça, ces choses-là. Laisse-moi vous dire un petit témoignage. Le premier 9 mois que j'ai été sauvé, j'étais dans l'église, et j'aimais tout le monde. Ah, j'étais en feu. Moi et Sylvain, on était en feu, feu, feu. J'ai expérimenté des choses merveilleuses. Et quand c'est arrivé en 1985, je me rappelle, dans le mois de février, c'est le temps de la réunion d'annuaire où on regardait les finances. J'ai vu 2 ou 3 différents camps de personnes, des groupes qui se tenaient ensemble. Puis moi, je les aimais, tous ces gars-là, toute cette gang-là. On voyait que, wow, eux autres étaient contre ça, puis l'autre, puis il y avait vraiment une division d'une manière. Il n'y avait pas d'unité d'esprit. Alors, je l'ai vu ça en pleine forme moi-même. Et puis, ce n'est pas une bonne chose parce que après, ça n'a pas pris longtemps après ça qu'il y avait eu une division dans notre église. Puis c'était à cause des affaires comme ça. Alors, c'est très important si on va être une église mature. Il faut être une église avec d'unité d'esprit. Alléluia. Les églises locales et aussi l'église globale. Il faut avoir un esprit que c'est Jésus. C'est par le sang. On peut être rempli par le Saint-Esprit et travailler les miracles et avoir de l'amour puissant. Il faut vraiment être
en unité dans ces sujets-là. La cinquième chose, il y avait de l'amour. On voit ça dans chapitre 7. On voit ça tout partout, vraiment. Mais chapitre 7 montre Étienne. Étienne était une des personnes qui a été choisie par le monde pour aider. Il était un diacre. Une journée, il témoignait de Jésus. Il parlait aux pharisiens. Et puis, c'est là où on voit Saül, qui est Paul, à la fin du chapitre. Mais on voit Étienne parler. Et après ça, il voit Jésus. Quand il était en train de se faire lapider, il a dit presque la même chose que Jésus a dit quand il était sur la croix. Alors, il y avait un amour. Puis, il a dit que, Seigneur, laisse pas ces choses-là. Pardonne-les à cause qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Alors, il faut avoir un amour pour ton ennemi. Alors, l'amour va très, très loin. Et Saül a vu ça. Alléluia. La sixième chose et la dernière chose, c'est qu'il avait la foi de croire au Seigneur Jésus. Alléluia. De croire pour des miracles, de croire pour des guérisons. Alléluia. De se mettre en prière. Et quand il priait, il croyait. Alléluia. Alors, c'est des choses qui sont très, très puissantes. C'est seulement par la foi que nous allons recevoir de Dieu. Et eux, ils avaient la foi. C'était peut-être pas une foi qui était complète et parfaite, mais ils avaient la foi pour faire ce que le Seigneur voulait qu'ils fassent. Alléluia. Les mêmes actions tout au long du livre des Actes, comme le montrent les guérisons et les miracles, montrent leur foi en Jésus. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il faut vraiment être rempli du Saint-Esprit. Pasteur Paul McCullough, à l'église de Barrie, a eu quelques prophéties sur lui, ce qui concerne un marteau. Puis si vous avez regardé les films Marvel avec Thor et son grand marteau qui recevait l'éclair sur le marteau et l'utilisait à combattre ses ennemis, Paul a eu une prophétie sur ce qui concerne son église et lui-même. J'avais parlé à Pasteur Paul et j'avais dit « On va essayer de trouver un marteau. » Mais j'ai trouvé qu'il était trop dispendieux et les sacs n'étaient pas si beaux que ça. Alors, ma femme Sylvaine a eu l'idée de peindre un marteau comme ça. Et le voici ici, comme on vous le montre. Et ce marteau, comme vous le voyez, il y a une écriture en Jérémie 51, de 20 à 24. Et comme vous voyez cette image ici, regardez à ça, je vais vous lire. Ça, c'est pour l'Église aujourd'hui, je crois. Comme toutes les prophéties, il n'y a pas juste une interprétation. On peut l'interpréter selon que le Seigneur nous montre. Et voici ce que le Seigneur nous a montré. Tu m'as servi de marteau, d'arme de guerre. J'ai mis en pièces par toi des nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Par toi, maintenant, il parle de l'Église. Par toi, j'ai mis en pièces le cheval et son cavalier. Par toi, j'ai mis en pièces le char et celui qui le conduisait. Par toi, j'ai mis en pièces l'homme et la femme. Par toi, j'ai mis en pièces le vieillard et l'enfant. Par toi, j'ai mis en pièces le jeune homme et la jeune femme. Par toi, j'ai mis en pièces le berger et son troupeau. Par toi, j'ai mis en pièces le cultivateur et sa paire de bœufs. Par toi, j'ai mis en pièces les gouverneurs et les magistrats. Sous vos yeux, je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Babylonie tout le mal qu'ils ont fait à Sion, déclare l'Éternel. Alors, pour expliquer ça brièvement, ici, c'est que le Seigneur nous donne un marteau qui vraiment est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui rendra à Babylone, qui est l'esprit de ce monde aujourd'hui. C'est ça qu'on va pouvoir percer à travers. C'est ça qui va nous causer à être efficace dans notre ministère comme chrétien pour mûrir. Comme qu'on utilise le marteau en prière, on l'utilise en parole prophétique, en parole d'assurance, alléluia. Et c'est vraiment pour nous, c'est pour l'Église. Alors, le Seigneur
vraiment, il nous montre à l'Église, hey, c'est le temps là, c'est le temps de marcher et de fonctionner dans ma puissance. Alléluia! Merci Seigneur, que tu nous encourages avec Jérémie 51 et cette prophétie, Seigneur, et tout ce qu'on a regardé aujourd'hui. Alléluia! Tu es vraiment un bon Dieu. Et Seigneur, comme qu'on marche par la foi, comme qu'on est rempli, Seigneur, comme qu'on fonctionne par ton amour, comme qu'on est unis, Seigneur, les uns les autres, en un accord, alléluia, d'un accord commun. Seigneur, tu vas travailler des miracles, Seigneur. Tu vas nous aider de maturer. Alléluia. Tu es vraiment bon, Seigneur. Alors, Seigneur, je demande que ton Église reçoive, Seigneur, ce message. Au nom de Jésus, alléluia. Alors, soyez bénis. Et on va te revoir encore la semaine prochaine. Alléluia. Soyez bénis.